Salut mes petites micales, c'est l'Arène Gaming. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc, comme vous aurez pu le voir dans le titre, on va faire un tuto comment faire un logo avec PS Touch sur Android. Donc, si vous savez pas comment installer PS Touch, parce qu'il n'est pas sur Play Store et ni sur App Store, donc il faut aller sur regarder une vidéo. Hein, vous mettez sur YouTube comment installer PS Touch. Donc voilà. Tout d'abord, pour le logo, on va prendre un fond. On va essayer de faire un fond. On va essayer de faire un truc assez stylé. Ah, ça c'est bien. Je prends ça. C'est magnifique. Donc, après. Par exemple, si vous voulez une. Attends, qu'est-ce qu'on pourrait marquer? En fait, ça dépend comment vous faites votre logo. Par exemple, si on prend une mascotte, moi c'est l'araignée, mon truc en cartoon. Par exemple, je vais prendre un loup. Loup cartoon. PNG. Par exemple, on va prendre celui-là. Voilà. Donc maintenant, vous allez dans votre galerie. Une fois dans la galerie, vous allez dans téléchargement. Donc, autour du loup, si c'est blanc, c'est que c'est pas en PNG. Et si c'est noir, c'est que c'est en PNG. Donc moi, le fond il est noir avec le loup dessus. Donc c'est bon. Après, vous allez sur PS Touch. Re donc, vous allez dans Documents vierges. Vous faites 1000. 1000. Voilà. Donc, après, vous allez placer votre fond qui est dans Download. Tac. Franchement, il est trop stylé. Hop. Après, vous allez dans FX, flou glossien. Vous pouvez laisser mes flou glossien. Allez, 47,2. Après, vous allez dans votre galerie encore une fois. Ici, tac. Vous prenez le loup. Ah, ici, il est bien centré. Donc, on va mettre quelques petits trucs. Vous allez dans FX, lueur. Donc, si vous voulez de la lueur. Un 9,1, ça va. Ouais, c'est stylé. Voilà. Après, si vous voulez, vous pouvez refaire. Comme ça. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est sympathique. Mais je vais juste faire un truc. Je vais aller sur Google Chrome. Sur Google, sur Internet, et je vais marquer Sunburst et vous allez voir ce que c'est. Je re. Re donc j'ai installé, j'ai téléchargé un Sunburst. Je vais vous montrer c'est quoi. Alors, c'est les trucs comme ça. Voilà. Donc, vous le mettez en dessous. Il faut que c'est ici, en dessous du loup et pas au-dessus. Parce que voilà. Vous le mettez en dessous. Attendez. En dessous du loup. Après, vous allez dans sur l'icône ici là, à côté du plus, vous faites mode de fusion. Vous allez dans incrustation. Et voilà, regardez ce que ça donne les gens. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc après, vous l'enregistrez. Vous allez ici enregistrer dans la galerie, ici PNG. Et vous l'installez, mais moi je vais pas le faire parce que voilà quoi, j'ai déjà un logo. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde.